Attention, ça tourne. Les 400 coupes, une fiction cinématographique de Mimi Riudo et François Tégipé. Ça tourne sur le légendaire plateau de studio de cinéma Éclatax à Saint-Julien-Molin-Molette. La légende raconte qu'en des temps anciens, il existait 7 peuples, eux-mêmes divisés en 23 tribus. Les Xévoriens, pires ennemis des Palastros, qui étaient alliés aux Versung et aux Pistoletos du Nord. Ceux du Sud avaient pactisé avec le terrible Norkam, fils de Zulgor le Noir, seigneur des ténèbres et des terres sombres, et fils de Jacqueline le Moineau, coiffeuse à Saint-Julien-Molin-Molette et spécialiste des décolorations. On coupe. Oh, deuxième plateau, ça tourne là. Action. Le codex informatique raconte qu'à l'aube de la fusion des 7 galaxies, elles-mêmes divisées en 23 fédérations cosmiques, l'Exorbe, pires ennemis des Blorbes, qui étaient alliés aux Vlorg et aux Pistorg du Norg. Ceux du Sud avaient pactisé avec le terrible Cybercam, fils de Zulgorg le Noir, seigneur des ténèbres et des planètes sombres, et fils de Jacqueline le Morgue, coiffeuse à Saint-Julien Molin Morglette et spécialiste des mèches. Et on coupe. Eh ben c'est bon, c'est dans la boîte, c'est terminé pour aujourd'hui. Ces journées de tournage, j'en peux plus. J'ai toujours l'impression de faire la même chose. Oh, t'as raison. On a quoi déjà demain? Oh, bah génial, c'est un documentaire. Ah, bah cool, ça va nous changer un peu. Ouais, c'est dingue d'ailleurs, on tourne dans un grand hôpital avec 7 pôles, eux-mêmes découpés en 23 services. Il y a les chirurgiens, les pires ennemis des anesthésistes qui étaient alliés aux sages-femmes et aux médecins du 4e étage, ceux du 3e avec pactisé avec ceux du 5e.